Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 10 juillet 2021, 6h09, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré les inquiétudes, malgré toutes sortes de choses qui nous pendent au bout du nez, comme disent les plus vieux. Et on est loin d'être sortis de l'auberge. Toutes sortes de choses qui vont se produire. Il faut être prêt à des changements majeurs. Beaucoup de gens ne sont pas préparés. C'est pas la fin du monde. Ça peut ressembler des fois à la fin du monde, hein, parce qu'on sait... On panique parce qu'on devient anxieux, mais il n'y a pas de... probablement, mais on ne sait pas. Peut-être que c'est la fin du monde aussi. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de mouvements. Et tout ça fait en sorte qu'on est déstabilisé. Il y a beaucoup de gens qui sont déstabilisés, beaucoup de gens qui sont instables mentalement, psychologiquement. Ça ne prend pas grand-chose pour les déstabiliser. Et on le voit sur les réseaux sociaux. Mais c'est comme ça. Je vous dirais peut-être, selon les statistiques, 20% des gens, et peut-être plus, la population, ont des problèmes de santé mentale et s'en occupent pas, ne le savent même pas, sont même pas conscients de ça. Donc, tu as beaucoup de gens qui sont déstabilisés, et c'est normal parce que les vies ont été changées, nos vies ont été transformées avec, entre autres, la pandémie, mais plein d'autres choses aussi, et c'est pas fini. Des changements majeurs sont en train de se produire. Des puissances sont en train d'émerger. La Chine va dominer le monde bientôt. On est chanceux, les Chinois sont des gens pacifiques. Jusqu'à un certain point, ils ont beaucoup de revendications territoriales. C'est là où ça va commencer à chauffer un petit peu plus tard. Mais tu as des guerres qui vont s'installer. C'est un nouveau type de guerre maintenant, hein? Des guerres commerciales, des guerres financières, des guerres aussi de technologie, des guerres sur Internet. On va le voir, hein, on a des attaques partout contre toutes sortes d'agences, des attaques contre toutes sortes d'entreprises privées importantes où on demande des rançons incroyables. Ça, c'est juste le début de ce nouveau mouvement-là. Tu verras rarement des guerres traditionnelles. Je pense qu'on est passé à une autre étape. Et c'est des guerres de puissance, naturellement. C'est des guerres d'intérêt. Souvent, ça ne nous touche pas directement. On n'a pas vraiment impliqué là-dedans. C'est les gros. Hein, c'est les puissants, c'est les dirigeants qui représentent des gros intérêts, qui s'en vont dans des luttes commerciales, des guerres de contrôle, des guerres de pouvoir, qui vont dominer le monde économique, qui vont dominer le monde aussi physique, parce qu'il y a des pays qui veulent plus de territoire, qui ont besoin de territoire, qui ont besoin de s'installer dans des... comme la Chine, avec 1,5 milliard de gens qui commencent à faire partie... dans une grande majorité de la classe moyenne, il faut les nourrir, il faut les laisser dans cet état de classe moyenne-là, parce que le système communiste devient en péril après, et on va s'installer, on va tranquillement prendre le contrôle de terres en Afrique, de terres dans d'autres parties de l'Asie. Même ici en Amérique, on achète au Canada beaucoup de terres, on contrôle des ports, on contrôle des infrastructures, des routes, des nouvelles routes de la soie. Donc, c'est comme ça. Tout ça se fait lentement, doucement. La majorité de la population n'est pas consciente de ça parce qu'on les occupe avec toutes sortes d'insignifiances. On les alimente de nationalisme, de haine, de racisme. Toutes des petites questions complètement banales, mais qui... aveugle la population parce qu'elle s'embarque dans l'émotion. Pendant ce temps-là, tout le reste se place, se fait. On imprime des trilliards et des trilliards et des trilliards avec le prétexte, on utilise le prétexte de la pandémie pour imprimer des trilliards que tu ne vois pas. Ces trilliards-là sont rendus où? La population s'en contrefout parce qu'ils sont intéressés aux frontières, à contrôler les frontières, à dénigrer les musulmans, à dénigrer les gens d'autres couleurs ou des... à penser qu'on va avoir une invasion. Et c'est comme ça que nos dirigeants dirigent, contrôlent, en divisant les populations. Alors qu'on devrait tous être unis, de toute couleur, de toute religion, de toute orientation sexuelle, on est tous dans le même bateau, on est tous des misérables. Mais non, ils réussissent quand même à venir nous diviser. Puis ils réussissent très bien. Donc, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Ce que vous avez vu, c'est rien. Ce qui s'en vient, c'est encore plus grand. Préparez-vous. Il n'y aura pas de guerre mondiale. Il n'y aura pas de... ça va être... c'est des nouvelles formes, hein,
comment dire, de domination. On a vu un dernier souffle de colonialisme avec Donald Trump qui a essayé d'imposer un impérialisme et un colonialisme d'une autre façon, en utilisant beaucoup, lui, le racisme, le sexisme, l'islamophobie, et en essayant de faire croire aux gens que les États-Unis avaient été abusés. Et là, il était venu, lui, avec ses gros sabots de, comment dire, dirigeant de télé-réalité, faire un spectacle de division. Lui, si tu veux quelqu'un qui a divisé, c'est assez impossible de trouver quelqu'un de plus diviseur que Donald Trump. Et il a fait avancer les intérêts des multinationales et des grandes entreprises américaines en convainquant une certaine partie de la population mondiale et certains dirigeants que les États-Unis avaient été abusés et que c'était fini. Donc là, c'était une forme de domination par l'intimidation. La guerre de Donald Trump, c'est la guerre de l'intimidation. Mais ça n'a pas marché longtemps parce qu'il n'y a personne qui a mangé ce pain-là puis qui a cru. De penser que les États-Unis ont été abusés dans les 60 dernières années, c'est vraiment de vivre sur une autre planète. Vraiment. Je pense que c'est les seuls qui ont abusé à peu près tout le monde. Donc, ceci étant dit, préparez-vous parce qu'il y a plein de changements qui s'en viennent. Puis, vous allez voir que la classe moyenne de nos pays occidentaux, va s'amincir beaucoup. Vraiment beaucoup. Je vous reviens.